La septième et dernière partie de la plante qu'il nous appartient maintenant d'envisager, c'est la tige. La tige, c'est ce qui porte les feuilles, et plus exactement, c'est aussi quelque chose qui se ramifie. On voit très bien ici la tige de l'année, qui ne porte que des feuilles, mais aussi séparée par des cicatrices de bourgeons, la tige de l'année précédente, où les bourgeons axillaires, les bourgeons qui étaient à la base des feuilles, ont chacun donné une tige. Ainsi, une tige secondaire. Ainsi, la tige est non seulement dotée d'une croissance en longueur, mais d'une ramification. Et ça, ça crée l'architecture aérienne de la plante. Arrêtons-nous un instant sur cette architecture. Les bourgeons situés au sommet empêchent souvent les bourgeons qui sont en dessous d'eux de se diviser. Quand cette influence est forte, la plante, comme ce jeune chêne, va avoir tendance à monter, car son développement en épaisseur sera moins important que sa croissance vers le haut par les bourgeons terminaux. On parle d'une forte dominance apicale. Dans d'autres cas, comme dans le cas de cet ajon ici, la dominance apicale est moins forte et on a une tendance beaucoup plus buissonnante. Et cet ajon ne montrera pas au-dessus de quelques mètres, par contre il fera un buisson très dense. On manipule d'ailleurs cette dominance apicale. En effet, on peut tailler les plantes et ceci modifie bien sûr directement leur forme, mais il y a certaines tailles qui jouent sur la dominance apicale. Dans le vignoble, on rabat souvent la tige qui porte les bourgeons au cours de l'hiver au même niveau sous forme d'une baguette rabattue sur un fil. Et la baguette ainsi rabattue sur un fil porte des bourgeons qui, tous au même niveau, ne se dominent pas plus les uns les autres et donneront tous des branches aussi grandes et donc un port en drapeau favorable au développement de la vigne et au mûrissement du raisin. Intéressons-nous, au-delà de la morphologie, au rôle de cette tige. La tige va avoir deux rôles principaux. Le premier est le port dressé, c'est elle qui assure la disposition des feuilles et finalement la roideur de la plante. Ceci, elle le fait grâce à de la lignine, un composé, un tanin polymérisé, c'est-à-dire un tanin fait de nombreuses unités accrochées les unes aux autres, qui est un rigidifiant du bois. Mais il y a aussi des circulations de sève. Une des fonctions essentielles de la tige est de relier fonctionnellement les points où s'effectue la photosynthèse et qui envoie la sève dite élaborée, qui contient du sucre, vers les autres parties de la plante, et les racines d'où vient la sève dite brute, qui est issue de l'exploitation de l'eau et des sels minéraux du sol. Donc il y a tout un tas de vaisseaux qui assurent le transfert de ces deux types de sève, et pour que tout cela ne fuit pas, il y a autour une écorce imperméable qui fait que les liquides circulants ne fuient pas, ne sortent pas. Cette écorce est imprégnée d'un autre tanin polymérisé, c'est-à-dire d'une autre molécule faite de tanins accrochés entre eux et à d'autres constituants, qu'on appelle le suber. Le suber est un constituant important de l'écorce, il est imperméable et on le sait très bien car au fait, c'est avec le suber que l'on fait des bouchons. Les bouchons sont faits en fait d'écorce très épaisse du chêne liège et marquent bien l'imperméabilité de ce constituant. Le liège va avoir un autre rôle en plus de l'imperméabilité, il est, et on le sait très bien quand on l'utilise en ameublement, un isolant thermique qui va permettre d'isoler les tissus vivants du bois du froid en hiver, de la chaleur en été, voire du feu, quand on pense au chêne vert précisément, ou au séquoia dont l'écorce extrêmement épaisse est un isolant qui protège les parties vivantes du cœur du tronc. Finalement, les tiges ont également des rôles d'échange gazeux. Les tiges jeunes sont souvent encore vertes et photosynthétiques et donc transforment du gaz carbonique en sucre. Et puis surtout, elles doivent respirer. Il existe pour ça des trous. Ces trous sont des petites marques que l'on trouve à la surface des branches jeunes et qu'on appelle les lenticelles. Ils existent aussi, mais moins visibles, sur les écorces très âgées. Mais ils sont visibles dans les bouchons, par exemple. On rappelle que les bouchons, c'est de l'écorce de chêne liège. Et on a ces espèces de traînées ici, qui sont en fait tout simplement ces trous qui permettent de respirer. Ces trous étant orientés entre l'extérieur de l'arbre et l'intérieur de l'arbre. Ces lenticelles permettent la respiration des tissus profonds. En plus, les tiges peuvent servir d'organes de stockage. Dans nos régions, en hiver par exemple, il y a des réserves sous forme d'amidon qui peuvent être stockées dans des branches ou dans des troncs.
des espèces qui vont passer l'hiver. Dans les milieux chauds, les plantes cactiformes en forme de cactus sont réduites à une tige qui accumule des réserves d'eau. Comme ces réserves d'eau sont très prisées éventuellement par des animaux, souvent ces plantes sont couvertes d'épines. Et ce qui est intéressant du point de vue des tiges, c'est que ces groupes d'épines ici sont des tiges atrophiées, non développées, dont chaque feuille devient une pointe. Et ces groupes d'épines qu'on a ici aussi sur les opuntia, donc les petites pointes là sont des feuilles, et ces petits groupes d'épines blanches sont des tiges modifiées, posées sur une tige principale qui, elle, dans ce cas-là, est un peu aplatie pour mimer une feuille et capter mieux la lumière, mais est également épaissie pour stocker l'eau.